Bien, bonjour à tous, à toutes et à tous. On va attendre que ça passe. Voilà. Du coup, bonjour à toutes et à tous, ici T-Prince, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de notre let's play sur Castlevania, Lord of Shadow. Je vais déjà commencer par faire un petit quelque chose pour essayer de voir si je ne peux pas faire en sorte je sais pas trop ce que ça change l'anisotropique. Filtre. Anisotropique. Je sais pas trop ce que ça change. Je vois pas énormément de différence à vrai dire. Bon bref. Axe. Oui. Un petit crénage. Oui. On va enlever l'anisotropique, hein, occlusion ambiante. Ouais, ça c'est la lumière, ok. Bon, on va mettre l'anisotropique en x4 au lieu d'en x16, et puis on verra bien. Voilà. Et du coup, on se retrouve, donc, comme je le disais, pour l'épisode numéro 8 de notre let's play sur Castlevania. Nous nous étions arrêtés la fois dernière après avoir fini les chutes d'Agartha. Et du coup, après avoir récupéré un nouveau pouvoir qui se trouve être le médaillon de magie de l'ombre, si je ne me trompe pas, et nous dirigeons toujours vers la terre des Lycans, afin d'y affronter, semblerait-il, le premier des seigneurs noirs, ou des seigneurs de l'ombre. Du coup, sur notre chemin se trouve Agartha, et c'est ici que nous nous rendons dans cet épisode. But it didn't take long to fall under the onslaught of the Dark Lord. The Lycans were innumerable, and the city was razed to the ground. The Necromantic Wars, as they were known, destroyed the advanced technologies that the Agartians had closely guarded. Eventually the Titans fell, and then the people were massacred one by one, or were turned into beasts subservient to their new conqueror. None now remain to tell the tale. Bon. Très bien. Ouf. Ah oui, c'est vrai, nous avions mis un coup de crochet. Ok. Ah. Merde alors. Oula, je sens la ligne tropique en moi, je pense que je vais le remonter, je suis désolé, mais ouais. Je le sens qu'il est passé en x4 au lieu d'en x8, c'est dégueulasse. Après la cinématique, je la remettrai. Oula, gros démon des enfers, what the fuck. Oh, et à gros sein en plus. Bon, super. Bon, c'est un démon, donc techniquement, il n'y a pas de problème. Mais bon, j'espère... j'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes. Sinon, je la mettrai en 18+. Wait. Diantre. Ok. Ninja, en plus. Je te suis. Ok, très bien. Ouais, non, c'est dégueulasse. Je le remets, je suis désolé, mais... c'est les détails, en fait, et du coup, ouais, voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Du coup... Foire fouillon, ça c'est là d'où on vient. Du coup, là, voilà, c'est ça. Médaillon de l'ombre. Des choses, ok. Elle est passée là, mais je peux pas y aller, moi. Allez, la blague, tu fais deux bons et tu y es. Putain, sérieusement, je
coup, on va les faire tout de suite avant de commencer. Ça va risque, pardon pour ceux que ça risque de gonfler, mais on va. C'est où? Là, c'est là. L'autre, c'est là. On va aller faire un petit tour dans tout ce qui est pouvoir et tout ça pour voir ce qu'on peut choper. Déjà, on va essayer de voir si on peut choper des techniques qui correspondent à nos pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand la magie de lumière est activée, un blocage synchronisé crée un flash de lumière magique aveuglant tous les ennemis à proximité. La première attaque exécutée contre un ennemi aveugle infligera des dégâts supplémentaires, mais on annulera l'effet. Ça me paraît pas mal. Je prends. Ça me forcera à travailler un peu les timings. Il me reste quoi, 800. Onde de dague. J'utilise pas vraiment les couteaux, mais bon. On verra. Qu'est-ce qu'on a là d'intéressant? C'est la chope aérienne. Ça, j'ai essayé de le faire plusieurs fois. Du coup, je le prends parce que j'ai essayé de le faire plusieurs fois et comme un débile, je l'avais pas pris. Coup de poing vers le bas. Oh, ça peut être cool. On va voir. Autre chose, non? Bon, bah, on va prendre ça. Écoutez, on aura acheté. Une, deux, trois techniques. À voir. Oh, c'était risqué ça. J'étais pas sûr du truc là. Bon. Un chevalier. Un papier. Je t'ai vu. Aïe. C'était pas du tout la bonne touche. Ok. Du coup, le papier. Où est-ce que j'ai le papier? Là. Seigneur, je vous en prie, aidez-moi à trouver le moyen de me faufiler dans cette ville cruelle. J'ai été votre fidèle serviteur. Je suis bon, honnête, et je me comporte bien. J'ai vu des créatures chevauchant les wargs qui semblaient avoir été presque domestiquées par elles. Comment est-ce possible? Je vous en prie, montrez-moi comment faire pour continuer ma quête et réunir ce monde avec votre royaume céleste. Amen. Tristesse. Tu descends là. Auto-save. Aïe. Viens voir. Oh, violence! Ah, on va récupérer un peu de magie. Il y a des choses ici, oui. Aïe. Donne-moi de la magie. Ça va pas aller où je veux. Ça a l'air d'être la suite. Est-ce qu'il y a autre chose? Je cherche du bonus. Là, il y a des choses aussi, il semblerait. Waouh, mais c'est quoi cet endroit là? On va faire demi-tour, on va essayer d'aller voir par l'autre côté si c'était la suite ou pas. Là, il y a quoi ici là? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a... Oh oui, il y a des choses, dis donc. Un papier, bon, pff, c'est chiant. Cette ville est un labyrinthe. Mais j'en déduis qu'un choix judicieux et de la patience permet de trouver son chemin. J'ai fureté dans bien des recoins et fissures. Et j'ai trouvé des gemmes et des objets qui seront sûrement utiles plus tard. J'ai également pu amasser des dagues d'argent si efficaces contre les licans. Ça, j'avoue. Là, rien. Là, des choses. Je peux descendre ici. Merde, ça me fait tomber. Je vais descendre là. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça me ramène ici? D'accord, très bien. Ça fait du tour dans tous les sens. Et ça ramène là, ok. Ah, là, un chevalier. C'était en dehors de la caméra. Ah, yes!
Cool, du coup ça remplit notre magie de mal de l'ombre, génial. Ça c'est cool. Du coup on va aller voir l'autre côté où il y avait le... Là là. C'est là, hein. Est-ce que ça ramène aussi là-bas? Ah merde. Je ne peux pas faire demi-tour, j'ai probablement raté quelque chose. Il semblerait qu'on puisse accéder là-bas. Je pensais qu'il y avait des bonus moi ici. Non? Bah non. Ça c'est quoi? Je peux pas sauter là-bas? C'est la mort. Fait chier. Très bien. Et du coup, je... Ah d'accord, très bien. Allez, viens. Aouh. Bien fait. La pomme. Elle vient te battre, le warg. Coup de pied dans ta face. J'avais chopé quoi du coup comme autre technique? À part la parade de lumière. J'avais chopé la chope aérienne. Mais autre chose qu'il faut que je regarde. Ah oui, c'est ça va avec la chope aérienne, c'est le coup de poing vers le bas, du coup je peux pas le lui faire. Ok, je te tiens. Allez mon toutou. Monter un warg. Appuyez sur RT pour monter sur le warg quand celui-ci est étourdi. Appuyez sur Y pour taillader à coups de griffe et maintenez X pour préparer la morsure relâchée pour attaquer. Les wargs grimpent et peuvent sauter plus loin que les humains. Pour sauter, poussez deux fois le joystick analogique gauche dans la direction voulue. Puis appuyez sur A en atteignant le bord. Pour grimper, appuyez seulement sur A près des surfaces brillantes. Ok. Très classique. Ok. Oula. C'est ça. Je sais même pas si je peux en faire un truc. Attendez. Cours. T'es encore utile ou pas? Il semblerait que là, oui. Bon. D'abord, aller voir cette statue-là. Il faut plus de force pour déplacer cette statue. Revenez quand... Oh putain. J'ai crevé le bordel pour rien. Est-ce qu'il m'en revient ici ou pas du tout? Très gentil de vouloir me faire popper un truc ici. Il va falloir que je fasse le tour, vous me dites là, c'est ça? Oui, j'ai entendu. Ah là. Trouvé. Vu. Toi? Viens. Bah viens. Aouh. Qui remonte bien mon conteneur de magie, ça c'est cool. On va refaire le tour. Putain, quelle merde. Du coup, donc à peu près tous les chemins emmenés au même endroit. Donc bonjour le labyrinthe. C'est pas réellement un labyrinthe du coup. Faut juste prendre les chemins dans le bon ordre pour avoir les bons trucs, c'est tout. Je t'ai vu. Je t'ai esquivé. Attendez. Hop, tout va bien. Tout va pour le mieux. Du coup, toi, oui, j'en étais à toi, te mettre des gifles.
Allez, viens. Voilà. Allez, viens là maintenant. Hop là. Ah, cool, il m'en renvoie. Nom nom nom. Je dégage. Je vais dégager. Non mais. Dégage. Toi, je vais te manger, toi. Ta gueule. Insecte pitoyable. Du coup, par là. Ok. Et là, quelque part. Non, nulle part. Tout ça pour ça. Ok, très bien. Tout ça pour ça. Magnifique. C'est ça? C'est ça. Ok. Putain, tu me l'as placé. Troll de merde. Ah! Bonjour le troll. Ow! Bonjour le troll. Aïe! Non, 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 nope. Laisse-moi tranquille. Prends-toi des gifles dans la putain de face. Aouh. Régène-moi. Ok, parfait. Ah, je saute. Aouh. Aouh. Allez. Double parade de lumière, monsieur, respectez-moi. Ah, what? Oh, il m'a mis une gifle, il m'a fait ralentir tellement, dis donc. Hop là, presque. Tu ne me tueras pas cette fois. Tu m'as eu lors du dernier épisode, mais ça n'arrivera plus. Je vois le chevalier qui brille ici. Je l'ai vu. Est-ce qu'il se passe des choses par ici? Là, en bas, là. Il a l'air de se passer des choses. Toi, tu veux mourir? Je vais aller voir ce qu'il y a en bas, là. Si on peut faire des choses là, en bas, là. Et après, je vais aller chercher... Oh, bah. Apparemment, oui, on peut y faire des choses. Alors, qu'est-ce que c'est encore? Oh, une gemme de vie, cool! Oh, full life, génial, même pas besoin de ça. Cool. Cool, cool. Du coup, c'est tout ce qu'il y a ici, apparemment. Comment on le fait, ce coup-là? Le coup de poing vers le bas. Comment on le fait? Maintenir RT avec, okay, avec un ennemi dans les airs. Ok, très bien. Et ça, un papier, évidemment. Ici, beaucoup d'endroits sont bloqués. Mais j'ai découvert que les trolls des grottes sont bien, bien utiles pour défoncer les portes et les barrières. En frappant un troll assez violemment, il est étourdi et on peut alors le dompter. Pour s'en servir comme bon nous semble. Je me demande si je peux dompter d'autres créatures. Bah, il me semble que dans le dernier épisode, on a quand même passé une petite araignée pour faire des fils. On a passé quoi d'autre? Les trolls, c'est tout. Ouais, c'est tout. Il me faut un troll ici. Merde, il réapparaît où? Là? Eh oh. Ok, là, il avait un petit. Ah bah oui, il est là. Oh. Tu me l'as collé, bien joué. Aou. Bien joué. Non, c'est pour que je l'ai vu venir. Là aussi. Non, mais d'aussi loin, c'est pas possible. Fais-toi éclater là. Aou, bah ouais. Aou. Allez, tu viens là maintenant. Il y en a marre, hein. Ça, je le troll. Allez. Jean-Paul le troll. Il y en a marre. Hop. Défonçage de grille. Ah, défonçage de loup d'abord, apparemment. Yes.
Bon, c'est pas très efficace, sauf quand on les frappe direct. Oh, ils sont en train de défoncer mon troll, donc on va défoncer ça et on va défoncer les loups juste après. Jean-Kevin, c'est pas que t'es pas efficace, mais t'es pas efficace. Jean-Paul le troll, ferme-la. Voilà, vous m'avez gonflé. On a marre, tout le monde se détend, tout le monde arrête maintenant. C'est bon. Putain, il fait que c'est bruit. Attendez. Oh là là. La violence. Mais il y a apparemment rien d'autre ici que la porte. On va se diriger par la porte. J'ai fait le tour, il n'y a pas l'air d'y avoir de bonus de chevalier. Rien ici. Est-ce qu'il y a des choses là en bas là? On va descendre là? Non. Là? Non. Avec quoi? Dague. De poignard, ok. Mais ça, en général, comme ça, c'est des poignards. On a déjà creusé. Qu'est-ce qui se passe par ici? On peut pas aller là. Là, il y a un warg. Ok. Ok. Oh, oh l'idée de génie. Ah ouais, non, lui il vient de me passer une parade, par contre, pas ouf. Bouffe ça. Hop, esquive. On va se concentrer. Aou, je l'ai déjà apparaît. Je l'ai. Aïe. Ça, c'est inimparable. Il a brillé blanc. Tu meurs. Merci beaucoup. Prends ça. Oh, la parade de l'improvisation. Bon, j'aurais pu faire un peu de magie sur ta pomme, mais ce sera pas utile. J'ai un fond de magie rouge. On fera avec. Je peux pas aller là, non. C'est quoi, c'est par là, c'est ça? Ok. Ah! Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Désolé, poubelle. Désolé. Qu'est-ce que c'est? Un papier? Une gemme de pouvoir! Une gemme rouge en plus! Cool, full mana! Par là. Par là. Tac 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 tac. Je peux pas. Seul un warg peut escalader ici. Ah, ils l'ont dit tout à l'heure sur la description du warg, merde. Ok, très bien. Eh bien, demi-tour. J'ai cru qu'elle allait pas passer. Le rouleau de saut là. Il a l'air plus long le rouleau de saut, non? Non, c'est le même. Hein. Même. Il va falloir que je régène un peu aussi. Et du coup, par où je repars là? Ah, vu par le côté, le petit crochet là. Ok, lui il réapparaît. Ok, il y a du sol en bas, très bien. Allez, bon, ben round 2, écoutez, c'est reparti. J'ai toutes mes dagues, très bien. Rien. Ah d'accord, il y a dague normale et dague de... Ok. Ah oh. Remplissez ma mana. Ah non merde, je suis fou. C'est de l'autre qui le fait.
Presque. Ah ou. Ah, je vais esquiver pourtant. Ok, on est full. Maintenant, on va régénérer. Violemment sur sa face. Ah. Esquive de l'imparable. Je t'ai déjà combattu. Tu ne me tueras plus. C'est terminé. Ah. Je te tiens. Allez, on est parti. Jusqu'au bout, du coup. Sage, le toutou. Galop, galop, saute, galop, galop. Yes. Allez, escalade-moi ça. Ok, saute dans le vide après avoir escaladé pour redescendre. Très bien. Bon bah. Merci. Un autre. Ok. Très bien. Faisons la même chose. Parfait! Victoire totale, la gemme de vie. Et les deux gemmes de pouvoir. Bah écoutez, tout le monde, c'est parfait. Ce fut un épisode génial. Rythmé, j'ai apprécié. J'espère que vous l'avez, que vous aurez apprécié la vidéo. Enfin, j'espère que l'épisode vous aura plu. Pour ma part, ça me plaît toujours autant. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous retrouve probablement de suite pour l'épisode 9. À ciao tout le monde.